أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين Nous allons inshallah continuer le parcours que nous avons entamé il y a 15 jours maintenant sur Sourate Al-Hujurat, sur l'explication, sur
une explication résumée du sens des versets de Surat Al-Hujurat. Je rappelle, lors des deux dernières séances, nous avions mis en avant sur le fait que cette sourate, elle s'appelait Surat Al-Adab, la sourate des comportements, les règles qu'il faut adopter en tant que croyant face à toutes les situations qui se présentent devant nous. D'abord, quelle attitude doit avoir le croyant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait référence particulièrement au Coran et au message que porte le Coran. Et quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus parmi nous physiquement, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous de par la sunna qu'il nous a apportée, de par ce message qu'il a apporté venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle attitude devons-nous avoir face à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sur les ordres, les limites qu'il fixe, les interdictions et les injonctions. Parce que nous savons que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie intégrante de notre religion, de notre sharia. Le Coran, lui seul, ne nous suffit pas pour nous éclairer la vie. Certains font croire qu'ils peuvent se suffire du Coran. On les appelle entre guillemets les coranistes. Alors que Allah, dans le Coran, nous dit clairement que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté, indépendamment du Coran, fait partie intégrante de la révélation. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous apporte comme enseignement, eh bien, prenez-le comme étant une révélation. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tout ce qu'il vous défend de faire, stop, arrêtez-vous. Et nous savons que la sunna vient expliciter le Coran. Si on dit qu'on peut faire sans la sunna, eh bien, que dire de la prière? Allah nous dit dans le Coran, aqimu salata, accomplissez la salat. En aucun cas, dans le Coran, vous ne trouverez qu'il y a 5 prières dans la journée. D'où c'est venu alors 5 prières et non pas 7 ou 3? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En aucun cas, il est dit que salat subh, c'est 2 raka'at dans le Coran. D'où nous est venu le fait de faire salat subh, 2 raka'at et non pas 4 et non pas 6 ou 1 raka'at. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En aucun cas, il est mentionné en détail comment il faut faire sortir la zakat. Wa atu zakat. Le Coran nous parle de la zakat en ces termes. Aqimu salata wa atu zakat. Comment on sait que le pourcentage à donner, c'est 2,5% de ce que nous disposons? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En aucun cas, l'accomplissement du pèlerinage n'est donné dans le Coran. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. خلاص. Le verset nous appelle à accomplir le hajj, le pèlerinage. Mais comment? Vous ne trouverez pas les détails, les piliers du hajj dans le Coran. Ça n'existe pas. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous dire voilà les piliers du pèlerinage, voilà ce qu'il faut faire pour que le pèlerinage soit valable, voilà ce qu'il faut éviter pour ne pas invalider ton pèlerinage, et ainsi de suite. Donc ça voudrait dire que le Coran et la Sunna sont deux choses indissociables. On ne peut pas prétendre vivre la religion uniquement sur la base du Coran. Il nous faut absolument la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous permettre de comprendre, de mieux voir, de voir plus clair
et d'avoir des détails, des précisions sur les versets, puisque les versets donnent les règles globales, mais les détails viennent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons vu quelle attitude devons-nous adopter quand on a des informations qui nous arrivent de la part de personnes, de n'importe qui nous rapportent des éléments ou des informations sur un individu qui n'est pas là ou sur un groupe d'individus qui n'est pas là. Tel a dit ceci, tel a fait cela. Ces gens-là ont fait ceci, ils ont dit cela. Quelle attitude, quelle approche il faut avoir quand il s'agit de traiter l'information avant d'agir? Parce que sinon, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Nous avons détaillé un petit peu les éléments de ce verset. Ensuite, Allah nous donne le mode d'emploi, le guide ou l'état d'esprit, la posture qu'il faut avoir quand deux individus se disputent ou se coupent la parole, ou quand deux individus, ou quand deux groupes d'individus, ou quand deux peuples, quand deux nations, deux pays sont en conflit, sont en désaccord, quelle attitude devons-nous avoir? Ya ayyuhalladhina amanu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. En détail, il nous donne la posture qu'il faut avoir. Et à la fin, il nous rappelle que la fraternité qui doit exister entre les croyants, disant innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aujourd'hui, les trois versets suivants iront dans le même sens. Dans ces trois versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous ferme la porte par laquelle Shaytan rentre pour semer la zizanie entre deux personnes ou entre deux groupes. Six éléments. Si on ferme ces portes, si on ferme la porte à Shaytan par rapport à ces six éléments, beaucoup de nos problèmes seront résolus entre nous. Le premier problème, c'est quoi ? يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم السخرية. الله سبحانه وتعالى nous dit: ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Se railler de quelqu'un, c'est de se moquer de quelqu'un. Se moquer de quelqu'un. Un groupe se moque d'un autre groupe. Et ça, pour aller très vite, je vais axer l'exemple que je vais prendre sur nos attitudes, nos comportements, parfois quand on se considère meilleur que quelqu'un d'autre. Que ce soit au niveau comportement ou même, puisque ça arrive très souvent au niveau de la religion, au niveau d'Din, tu considères que tu es guidé et que l'autre est égaré. Et sur cette base, tu te moques. Tu te moques et tu mets en avant le soi-disant égarement de l'autre en le rabaissant et en piétinant sa dignité et son honneur. Combien de fois on parle des gens ou d'un type d'individu? Ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela, ils font ci, ils font ça. Et ça en arrive à des mises en garde. On en a parlé la semaine dernière. Le danger des mises en garde. C'est un problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire ça. Et parfois on fait partie d'une chaîne de personnes qui rentrent, qui sont dans une chaîne en fait, pour se moquer, pour se railler des gens. Les textos qu'on reçoit. Tu reçois, tu fais même pas
ce qu'on appelle istifsar, tu ne fais même pas at-tabayyun, tu ne vérifies pas la véracité du message, je transfère. Ça part. En fait, tu rentres dans une chaîne de tu te moques en fait, tu rentres dans une chaîne de personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Personne ne doit avoir cette posture, je suis mieux que les autres, je suis guidé et toi tu es égaré, je suis ceci et toi tu es cela. Nous savons, cela nous mène à l'orgueil. Et l'orgueil, nous savons ce qu'il en est. « La yaskhar qawmu min qawmin » Qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, pour X raisons. « Asa an yakunu khayram minhu » Il se peut que la personne dont tu te moques soit meilleure que toi. Il se peut que ces gens-là dont tu te moques ou vous vous moquez soient meilleurs chez Allah que toi. Parce que vis-à-vis, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses se mesurent par quoi ? Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur parmi vous auprès d'Allah, c'est celui qui sera le plus pieux. Et la piété, c'est quoi ? At-taqwa hahuna. Vous vous rappelez de ça ? De ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous définit le taqwa, la piété, en disant que ça se trouve au niveau du cœur. Oui, c'est vrai que ça doit se traduire au niveau des actes, mais d'abord et avant tout, at-taqwa vient du cœur, est installé dans le cœur. Et comment tu peux savoir ce qui est caché dans, ce qui est enfoui dans le cœur de quelqu'un pour savoir si c'est quelqu'un qui a la taqwa ou pas? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine cela. C'est le seul qui connaît ce qui est enfoui dans les cœurs. Puisque toi, tu ne connais pas ce qui se cache dans, ce qui est caché dans les cœurs, tu n'as pas l'autorisation, tu n'as pas le droit de juger les gens et de les classer. Asa an yakunu khayran minhum. Et en général, quand tu te moques de quelqu'un, tu rentres dans la catégorie de ceux qui sont dans l'orgueil. C'est l'orgueil qui te pousse à te considérer meilleur que les autres. Et nous savons, l'humilité s'impose, l'humilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous impose à toujours se montrer inférieur vis-à-vis des autres. Au moment où tu te considères supérieur, à l'instant même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à l'instant même, tu es au plus bas des niveaux. Au moment où tu as le sentiment d'être meilleur que l'autre, eh bien, tu es tombé. L'humilité. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Il se peut que les gens dont vous vous moquez soient meilleurs que vous. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. Et que des femmes, un groupe de femmes, ne se moque pas non plus d'un autre groupe de femmes. Il se peut que celles dont elle se moque soit meilleure que celle qui se moque. Wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Ne vous dénigrez pas. Le fait de se dénigrer. Lams, le fait est. Wailul likulli humazatil lumaza. Lams, lumaza. C'est le fait de dénigrer. Et vous savez, dénigrer quelqu'un, tu peux dénigrer quelqu'un par ta main. Tu vois des signes. Tu peux dénigrer quelqu'un par tes yeux. Tu peux dénigrer quelqu'un par la tête. À plus forte raison, la langue. C'est encore pire. Dénigrer quelqu'un, c'est mettre en avant ses défauts. C'est mettre en avant ses manquements, c'est mettre en avant les choses qu'il n'arrive pas à faire, c'est parler de ses défauts, mettre en avant ses défauts. Wala talmizu anfusakum, que ce soit par des signes
ou par la langue. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Des sobriquets, c'est le fait de... C'est des surnoms qui sont... le fait de créer ou d'appeler quelqu'un par un surnom qu'il n'aime pas. Ou alors, quelqu'un qui était dans un péché avant, d'accord, il se repentit. Aujourd'hui, il s'est rangé, comme on le dit, les jeunes, chez les jeunes, il s'est rangé. Et toi, tu le ramènes toujours à l'époque où il était dans et où il n'était pas sur le chemin. Combien de fois ça arrive? Dès que quelqu'un il parle, c'est bon, tais-toi, moi je connais ton passé. Hein. Je t'ai connu à tel endroit, tu faisais ça, tu faisais ça, tu étais ceci, tu étais cela. Ramener la personne à son passé qui était sombre. L'appeler par son passé. Tu étais ceci, tu étais cela, tu étais... وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Allah nous dit بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ Qu'est-ce qu'il est vilain que de ramener les gens, que de les appeler par leur passé en fait qui est sombre. Et faire cela, c'est désobéir à Allah. C'est Allah qui nous l'interdit. Avant que ça soit un mal, une injustice vis-à-vis de la personne, c'est d'abord une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le verset, il est clair. Ne faites pas cela. Si vous le faites, vous avez un problème avec Allah. Ensuite, vous avez commis une injustice vis-à-vis de la personne. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ Ceux qui ne se repentissent pas, qui ne reviennent pas à Allah en ayant accompli ça, qui ne demandent pas pardon, qui ne font pas de tawbah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ceux-là sont vraiment les injustes. Ils sont véritablement injustes. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Et dans ce verset, nous avons combien d'éléments? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Trois choses. Dénigrer les gens, leur ramener à leur passé, en leur lançant des sobriquets, et se moquer des gens. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, le verset suivant, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui. Conjecturer, c'est se faire des opinions sur la base juste des pensées sur quelqu'un. Penser que tel a commis tel péché, penser que tel a fait tel élément ou telle chose, sans que ça soit vérifié. On est dans les pensées. Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire ça, en général, cela va vous conduire à un péché. Al-dhan. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande et nous pousse toujours à se faire une bonne opinion de la personne. À toujours trouver, même si on a des indices qui nous font penser que tel a commis telle chose, tant que ce n'est pas vérifié, ce n'est pas clair, tu dois toujours positiver pour lui. Lui trouver des excuses. Un exemple. C'est un exemple un peu... Ça peut arriver chez beaucoup de jeunes. On voit quelqu'un sortir d'un endroit qui est moralement et éthiquement pas fréquentable. Un endroit qui est connu pour être un endroit de dépravation. Tu vois quelqu'un que tu connais sortir d'un endroit comme ça.
sais pas pourquoi il est là-bas. Tu ne l'as pas vu faire quelque chose, tu l'as vu juste sortir de cet endroit et ça y est. Tu te fais des films dans ta tête. Ah ouais, il fréquente un endroit comme ça. S'il a fréquenté, s'il est venu ici, c'est peut-être pour faire cela et ça y est. On se fait des films dans la tête, on classe la personne. Tu ne l'as jamais vu faire commettre le péché, mais pour toi, ça y est, c'est bloqué. Pire que ça, tu commences à parler, à en parler autour de toi. Ça arrive. Ça arrive. Tu n'as pas vu la personne faire quelque chose, commettre la faute ou le péché. Tu l'as juste sur la base des indices. Tu ne sais pas ce qu'il est parti faire là-bas. Quelqu'un, allez, on va piquer un peu. Tu vois quelqu'un sortir d'un bar à Chicha, les jeunes. Ça y est, tu ne l'as pas vu faire quoi que ce soit, il est juste sorti de là-bas, et ça y est, dans ta tête, khalas. Mais il peut être parti à cet endroit pour un autre motif. Il a besoin de quelque chose. Il est parti là-bas pour... Et son besoin, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Il peut avoir besoin de l'eau. Il rentre dedans pour demander de l'eau. Tu ne l'as pas vu faire quelque chose. Trouve-lui de bonnes excuses. Trouve-lui de bonnes excuses. Tant que tu ne l'as pas vu de manière claire faire quelque chose, ne pense pas, ne te mets pas dans ta tête qu'il l'a fait. Il peut être parti pour rendre service. Un service qui est légal. Il peut être parti pour 1000 choses. Des exemples comme ça, ça n'en finit pas. Hein? On se fait des films sur les gens. Et beaucoup de problèmes viennent de cet aspect. Beaucoup de problèmes sont basés sur des gens qui ne se parlent pas, des familles qui se déchirent, des frères et sœurs, même des parents et leurs enfants, sur la base des allégations qui sont fausses, des pensées qui sont fausses. Nous savons l'attitude des compagnons. Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il nous enseignait? Trouvez des excuses pour votre frère. Même s'il disait que je vois quelqu'un en train de boire l'alcool, je dirais que ce n'est pas de l'alcool, c'est de l'eau qu'il boit. Laissez-moi tranquille. Ce n'est pas de l'alcool qu'il boit. Même si je vois quelqu'un qui dit, qui renie sa foi, qui insulte Allah, qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais lui trouver des excuses. Non, il est malade dans sa tête. Il n'a pas sa tête. C'est pour ça qu'il fait ça. Il ne sait pas la gravité. Trouver des excuses pour les autres face aux défauts. C'est aller plus loin que d'avoir de simples pensées vis-à-vis des gens. Trouver des excuses, c'est quand tu vois la personne est en train de faire quelque chose. Et c'est de là qu'on te dit, trouve-lui une bonne excuse. À plus forte raison, si tu l'as vu rien faire, tu restes uniquement sur des pensées. Combien de liens ont été coupés sur cette base? Combien de familles se sont déchirées sur cette base? Et ainsi de suite. Ijtanibou, éloignez-vous, Allah nous dit. Ijtanibou kathiran min adh-dhanni, inna ba'da adh-dhanni ithmun. Ensuite, il nous dit, wala tajassasou. La tajassasu. Tajassus, c'est de s'espionner, chercher à aller voir, fouiller dans la vie des autres, la vie privée des autres. Pourquoi c'est privé? Il ne veut pas que ça se sache. Et pourquoi tu vas aller savoir, chercher à savoir ce que lui, il cache au niveau de lui? Tajassus, c'est un péché. Aller s'espionner, aller chercher la vie privée des autres. Min husni islam il mar itarkuhu ma la ya'ni. Fait partie de la bonne moralité de
la personne le fait de ne pas rentrer dans des choses qui ne le regardent pas. Il y a des gens qui sont éprouvés par cela. Au-delà de se forger de fausses pensées basées sur de fausses allégations, Tajassus, tu le vois, tu te rapproches, tu écoutes, tu espionnes pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il vit. Cela est interdit pour le croyant, pour le musulman. Wala tajassasu. Wala yartab ba'dukum ba'da. Et ne vous médisez pas. La médisance. La médisance. C'est quoi la médisance? C'est de dire tel est ceci, tel est cela, à son insu. Il n'est pas là et il n'aimerait pas que tu le dises. Quand il est là, tu le diras pas. Et même si tu oses le dire devant lui, il n'aimerait pas quand même que tu le dises. Même si ce que tu dis, c'est vrai. Même si ce que tu dis, c'est vrai. C'est ça la médisance. Certains pensent que la médisance, c'est de mentir sur quelqu'un. Non. La médisance, c'est de dire la vérité sur quelqu'un, mais il n'aimerait pas que tu le dises. Il n'est pas là. Pourquoi tu le diras? Pourquoi tu le dirais? Des compagnons ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, la médisance, si ce qu'on dit sur la personne, c'est vrai, c'est quand même la médisance ?» Parce que parfois, on est tenté de... Ce que tu dis, tu sais, c'est vrai, mais il n'est pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oui, c'est justement cela la médisance. Ce que tu dis, c'est vrai. » Parce que si ce que tu dis, c'est pas vrai, ça n'est plus de la médisance, c'est encore pire. C'est ce qu'on appelle « al-buhtan ». « Al-buhtan », c'est... C'est de mentir sur quelqu'un, il n'est pas là. Là, c'est encore pire, c'est plus grave que la médisance. La médisance, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Et vous savez, pourquoi c'est dangereux la médisance? C'est parce que quand tu fais cela à quelqu'un, comment tu vas lui demander pardon? Des fois, on prend conscience que j'ai fait la médisance sur telle personne. Et on sait qu'on a commis un péché. Et pour réparer ce péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, il faut lui demander pardon. Il faut qu'il te pardonne. S'il te pardonne pas, Allah, il ne te pardonnera pas ça. Et tu paieras, yawm al-qiyam. Tu paieras. Alors, qui sont ceux qui osent venir voir les gens, les regarder dans les yeux, excuse-moi, j'ai dit ceci, j'ai dit cela sur toi, tel jour tu n'étais pas là, excuse-moi. Qui est capable de faire ça? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Et même si tu es capable de le faire, mais la relation que tu vas avoir avec cet individu, avec cette personne-là, va changer. Ça va changer, ça va créer une fracture entre toi et cette personne. Même si tu l'as avoué, il va te dire, ok, il n'y a pas de problème, mais il te dira, mais c'est quelqu'un qui parle de moi, il met mes défauts sur la place publique, il dévoile mes défauts, il me dit... Cette personne va se méfier de toi si tu avais une bonne relation avec elle. Donc non seulement il y a une relation qui est fissurée, si tu oses venir lui avouer et lui demander pardon, et si tu ne demandes pas pardon, si tu n'oses pas, c'est encore pire. Parce que ce péché-là t'attendra, yawm al-qiyam, le jour du jugement dernier. Vous savez, il y a des gens qui vont prier, qui vont jeûner, qui vont faire beaucoup de bonnes actions, beaucoup de ibadah, mais ils vont perdre les hasanat de leur ibadah le jour du jugement dernier. Parce que personne n'ira au paradis tant qu'il n'aura pas payé la médisance qu'il a fait aux autres. Et parfois, c'est cette même médisance qui va causer la perte de beaucoup de gens. Atadrouna manil muflis. Vous vous rappelez de ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous qui est véritablement le perdant? Les compagnons, le perdant, c'est quelqu'un qui avait quelque chose et du jour au lendemain, il n'a plus rien.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, le vrai perdant, c'est celui qui viendra yawm al-qiyama en ayant prié beaucoup ici avant de mourir. Il a fait tout ce qu'il devait faire en termes d'adoration, sauf que il vient, il avait fait du mal à un tel, il avait parlé sur un tel, il avait fait de la médisance sur un tel, il avait ainsi de suite. Et à chaque fois, on ramènera la personne qui a subi cette injustice de ta part et les hasanats de ta prière vont lui revenir. Un autre va venir. Les hasanats de ta zakat vont lui revenir. Un autre va venir. Les hasanats de... Et ainsi de suite. À un moment donné, tu n'auras plus de hasanats parce que tu auras tellement parlé sur les gens ici que toutes tes hasanats vont revenir à des gens. Les gens vont continuer à se plaindre, tu n'as plus de hasanat à donner. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas dire « Allah ghalib, j'ai rien à donner ». Non. Leurs péchés à eux vont te revenir. Voyez jusqu'où ça peut aller? C'est pour ça qu'il y a des musulmans qui iront en enfer. C'est violent cette parole, mais il faut l'entendre. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui y passeront. Pourquoi? Parce que vous savez, le jugement, c'est une notion de balance. C'est les bonnes choses, bonnes actions et les mauvaises. Si tu avais fait, tu avais prié, tu avais jeûné, mais que tu avais fait beaucoup de mauvaises choses, à tel point que tes mauvaises choses pèsent plus lourd que tes bonnes choses, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'as pas la miséricorde d'Allah, tu vas séjourner dans le châtiment. La bonne nouvelle pour ces gens-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est qu'ils ne vont pas demeurer éternellement dedans, de par leur foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ne finira pas éternellement dans l'enfer, dans le châtiment, celui qui avait le poids d'un atome de foi dans son cœur. Mais si les mauvaises choses, les mauvaises actions étaient plus importantes que les bonnes actions que tu as faites, eh bien, la personne pourrait y séjourner. Et qu'est-ce qui va l'amener à cela? C'est son comportement. C'est son attitude, sa langue. C'est pour ça qu'on dit que l'ibadat ne suffisent pas pour aller au paradis directement. Il faut se méfier des mauvaises choses. C'est pour ça certains compagnons, ils venaient demander, poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses qui sont interdites. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois éviter? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois éviter? À tel point qu'on lui a reproché, mais toi tu es toujours dans les péchés, tu poses toujours des questions que sur les péchés. Il dit oui, c'est pour les connaître et pour pouvoir les éviter. Parce que si tu évites le mal, le minimum de bien que tu feras te suffira pour aller au paradis. Tu évites le mal. C'est pour ça, la meilleure manière d'éviter la colère d'Allah, le châtiment d'Allah, c'est d'éviter le mal. Ce n'est pas de faire beaucoup de bonnes choses et ne pas éviter le mal. C'est l'inverse. Évite au maximum de faire du mal et le minimum de bien que tu feras te suffira. Mais si tu pries, tu jeûnes, tu tiens pas ta langue. Tu ne maîtrises pas ta langue. En longueur de journée, tu parles sur les gens. Tu démolis sur les gens. L'honneur des gens, la dignité des gens, la dignité des gens. Et tu parles sur les gens. Ta prière, ton jeûne ne te servira pas à grand chose. Nous jeûnons. Nous sommes pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par rapport au danger de la langue? La langue invalide le jeûne. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Celui qui ne se prive pas, ne délaisse pas de mentir ou de faire des faux témoignages ou de parler, de commettre des excès de par sa langue, Allah n'a nullement pas besoin du fait qu'il s'est privé de boire ou de manger. C'est-à-dire que son jeûne, si on explique bien ce hadith, ton jeûne il n'est pas valable si tu mens pendant la journée de Ramadan. Ton jeûne n'est pas valable si tu fais un faux témoignage pendant que tu jeûnes. Ton jeûne il n'est pas valable, ta journée tu l'as perdue si tu
tombe dans la médisance. C'est ça le sens du hadith. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. C'est tellement grave la médisance qu'il la compare au fait d'aller manger la chair de quelqu'un qui est vivant. Qui est capable de faire cela? D'être un cannibale. D'aller, quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, qui décède, tu prends un couteau, tu vois, tu coupes un morceau de sa chair, tu manges ce morceau. Tu ferais ça? C'est kerih tout mot. Vous répugnez cela. Vous détestez de faire cela. Eh bien, détestez au même titre le fait de parler des gens, parce que c'est répugnant, parce que c'est sale que de tomber dans la médisance, que de piétiner l'honneur et la dignité des gens. Fakari, tout mot. Et craignez Allah. Wattaqullah. Allah nous met en garde. Craignez Allah sur ces éléments-là. Parce que vous risquez de vous retrouver vos bonnes actions multipliées par zéro. De par vos fautes, de par vos langues. Wattaqullah. Inna Allah tawwabur rahim. Le dernier verset du jour, ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah appelle les gens, c'est même pas que les croyants dans ce verset là. Souvent c'est ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu. Et là il nous dit ya ayyuhan nas, croyant ou pas. Écoutez bien. Ce qui va déterminer celui qui est meilleur parmi vous, c'est at-taqwa, la piété, la crainte d'Allah et la piété. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas le statut social, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'origine, ce n'est pas la nationalité. Ce verset efface définitivement le racisme. Le racisme n'a pas sa place en islam. Le régionalisme n'a pas sa place en islam. Le tribalisme n'a pas sa place en islam. Qu'est-ce qui détermine le statut des gens? C'est leur piété. Celui que tu considères moins que rien, s'il est plus pieux que toi, eh bien, il est mieux que toi. Et d'ailleurs, le fait de considérer les gens de par leur richesse, le fait de considérer les gens de par leur provenance, leur origine, c'est des comportements de la jahiliya, de l'avant-islam. Hein? Quand l'islam est venu, l'islam a banni tous ces éléments. C'est ce qui a fait que, regardez comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu. Ils étaient des frères. Hein? Celui qui était considéré comme étant esclave, Bilal al-Habashi, qui était de peau noire, vous savez la place qu'il a eue. Et pourtant, socialement, ce n'était pas le mieux placé. Il y avait des gens qui étaient mieux placés que lui. Mais Bilal a eu une place meilleure que Abu Jahl. Abu Jahl qui était un anti, quelqu'un qui était qui faisait parmi des nobles des Quraysh. Bilal a été meilleur que Abu Lahab. Abu Lahab qui était oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde la lignée, on pourrait dire il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab. Hein? Abu Jahl, tous ces gens-là étaient des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que le Coran nous dit par rapport à ces gens? Et qu'est-ce que le Coran nous dit par rapport à des gens qui étaient au plus bas de l'échelle et qui, de par leur piété, de par leur foi, de par leur proximité à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été les meilleurs. Quand on voit quelqu'un qui met toujours en avant les origines du racisme, régionalisme,
qui catégorise les gens en fonction, ah, c'est des gens, les gens de cette région, ils sont tous comme ça, généralisés. Les gens de ce pays, ils sont comme ça. Les gens de cette région, ils sont comme ça. Il faut, sur la base de, des origines. Ça, c'est de la jahiliya. On juge quelqu'un de par ses actes et ce qu'il a posé comme acte concret. Et non pas parce qu'il vient de tel endroit ou de tel endroit. Et non pas parce qu'il a cette taille ou tel est, a une beauté meilleure. Non, la beauté, la véritable beauté, c'est la beauté de la, du cœur. Et non pas ces considérations que malheureusement beaucoup mettent en avant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez tous été créés à partir d'un mâle et d'une femelle, à partir de Adam et Hawa. Il n'y en a pas un humain qui ne va pas se retrouver dans cette lignée. Nous sommes tous finalement du même père et de la même mère. Et Allah a voulu qu'on soit différent. Allah a voulu cette différence. Donc quelqu'un qui ne veut pas la différence, quelqu'un qui ne veut pas la pluralité, il va à contresens avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a voulu qu'il y ait des noirs et des blancs. C'est lui qui a voulu qu'il y ait des gens qui parlent français et anglais et grec et hébreu et guinéen et ainsi de suite. C'est lui qui a voulu que certains soient de cette physionomie et d'autres d'une telle autre physionomie. Personne n'a choisi d'être ce qu'il est. Personne on lui a demandé l'avis. Est-ce que tu veux être un blanc? Est-ce que tu veux être un noir? Est-ce que tu veux être un français? Est-ce que tu veux être un chinois? Et ainsi de suite. C'est Allah qui l'a voulu comme ça. Et cette diversité, on doit la respecter. Si on ne la respecte pas, c'est qu'on ne respecte pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le respect de cette diversité, il nous dit, là, ce qui va déterminer les meilleurs parmi vous, c'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Les meilleurs parmi vous, ce seront ceux qui seront les meilleurs en termes de foi, en termes de piété, en termes des actes. On juge les gens par rapport aux actes et à ce qu'ils sont vraiment dans la pratique et non pas des clichés de ce genre. Inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir. Six éléments. La yaskhar qawmun min qawmin. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Si chacun de nous essayait de mettre ça en pratique, ces six éléments, wallahi al-azim, beaucoup de problèmes seraient évités dans les familles, dans les relations sociales, dans les sociétés, dans nos vies de tous les jours. Beaucoup de problèmes seraient résolus. Malheureusement, on dit qu'on est croyant, on l'est, inshallah, mais on fait le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Et après, on s'étonne de l'état de la communauté. On s'étonne de l'état des familles. C'est normal, on en est responsable. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tout ce qui vous arrive en catastrophe, vous avez des responsabilités dedans. Vous avez dévié quelque part. Vous n'avez pas été à la hauteur quelque part. Et si on faisait exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, le monde serait équilibré. Le monde, on vivrait en harmonie, il n'y aurait pas tous ces problèmes, tous ces conflits. Partout où il y a des problèmes, partout où il y a des conflits, que ce soit entre deux personnes, ou entre deux groupes d'individus, ou même entre deux nations, deux pays, c'est qu'il y a un problème. Il y a ces éléments qui n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, dans la diplomatie, on interdit l'espionnage. Wala tajassasu. Le Coran nous le dit. L'espionnage est passible de, je ne sais pas quoi, trahison d'État. Combien de pays sont rentrés en conflit pour des histoires comme ça.
Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ce message, c'est pour qu'on vive en paix, le monde soit équilibré. Malheureusement, l'humain a choisi d'être plus intelligent que son créateur, eh bien, on assume. L'humain assume et le monde assume cette intelligence soi-disant. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous permette d'entendre ces messages et surtout de les mettre en application. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين